Yo les gars, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau défi sur FIFA 17. Et non les gars, c'est pas le joueur du mois. Lui, je l'emmerde bien profondément. Donc aujourd'hui, il y a Gianluigi Buffon, les gars. Buffon. Excuse-moi mec. Buffon, qui est là pendant 3 jours. On va dire, parce que là, il y a marqué 2 jours, mais c'est pendant 3 jours. Si peut-être pour son 600e match, je sais pas, je crois que ça va être ça, hein, vu le logo. Donc les gars, pour notre petit Buffon, qu'est-ce qu'il faut? Il faut 11 joueurs de la Serie A, avec minimum 4 joueurs de la Juve, avec une note de 85. Maintenant j'ai marqué FIFA, ils aiment bien mettre les notes de 85 parce que 84 c'est un peu trop facile à faire. Collectif 100 et avec 11 joueurs. Donc les gars, voici l'équipe. Ça fait mal, ça fait mal. Il y a des joueurs, ça me fait vraiment mal de les voir partir. Quand je dis des joueurs, il y en a un. Donc les gars, au cage, j'ai mis Hart pour acheter pour 2000 crédits. Hop, excuse-moi, du mauvais sens. Benatia, pareil, c'est mon premier détenteur, mais il coûte vraiment pas cher. Chiellini. Chiellini, mon pote. Excuse-moi, je suis désolé. On a passé des beaux moments ensemble, mais je suis obligé, mec. Chiellini, pareil, qui coûte, je crois, dans les entre 40 et 50 000. Enfin, plutôt entre 45 et 50 000. Moi, je l'avais eu dans un pack, ça me fait chier de le vendre. Manolas, qu'on peut avoir entre 4 000 et 5 000 crédits. Lui, bah, en fait, c'est un joueur que j'ai toujours voulu tester, que j'ai depuis longtemps en plus, je crois. Hein. Mais bon, pareil, je le mets. De Rossi. On peut avoir pour, j'en ai vu un à 2000 crédits, donc entre 2000 et 2005 on peut l'avoir. Après Khedira, bon les gars là je suis désolé mais Khedira on sera obligé de mettre le prix. Khedira là, bah j'ai de la chance, je l'ai en premier détenteur, mais Khedira c'est voilà, les mecs ils mettent un prix à 9000 et voilà, ils bougent pas. Honda que j'ai déjà eu, mais je vais vous expliquer un truc après, c'est bizarre si quelqu'un peut m'expliquer ça. Pareil, ce joueur il doit pas coûter très cher. Insigne, je l'ai déjà eu, mais j'en ai vu vers dans les 3000 crédits. Donc pareil, pas cher. Pjanic, acheté pour 21 500, c'est le moins cher que j'ai vu. Baka, alors Baka, je connais pas son tarot. Pourtant tout à l'heure j'ai vérifié. Mais bon les gars, vous êtes obligés. Et en deuxième buteur, j'ai pris Dzeko les gars. Dzeko c'est le moins cher des buteurs. Parce que j'ai vraiment regardé. Il y a Dybala, c'est 150 000, c'est mort. Higuain, c'est entre 40 et 50 000. Les gars, moi j'ai mon Higuain, je voulais le mettre au début, j'ai fait non. Autant prendre Dzeko, il coûte largement moins cher. Regardez, j'ai eu Pjanic et Dzeko pour le prix de Higuain, on va dire. Donc voilà. Après Baka, je connais pas son tarot. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Ah c'est meilleur, ouais, c'est vrai les gars, excusez-moi, je jouais avec les palettes. Hein ouais, les gars. Donc on revient à l'équipe. Donc ouais voilà, Baka, je sais pas le tarot, mais t'es obligé de le mettre dans l'équipe. Et je vais vous faire montrer avant de valider l'équipe, montrer mon petit bug. Regardez, j'ai Cuadrado, il a 82 de général. Je vais le mettre à la place de mon Honda. Et ma note passe à 84, je comprends pas. Si quelqu'un peut m'expliquer ça, parce que je sais pas, pourtant la 82 de général, devant ça devrait passer à l'aise, mais bon, il veut pas. Donc j'ai mis Honda. Parce que sérieusement, ce que je voulais faire là-bas, c'était mettre Cuadrado à la place de Honda. Et comme ça, vous mettez Medel à la place de Khedira. C'est Medel, pareil, tu l'as pour moins de 3000 crédits. C'est largement mieux qu'un Khedira, tu vois. Donc voilà, les gars. L'équipe pour avoir le Buffon spécial, les gars. Et quand on regarde les stats, ces stats sont vraiment bonnes. Hein. Parce que le. Attendez, je vais soumettre d'abord et après on va voir ses stats. Mais tiens, on les voit tous, regardez. De toute façon, je vais vous mettre un comparatif des deux cartes. Regardez. Le normal, il a 87 en plongeon, lui 89. Après, il a 88 en normal, 90. Après, en dégagement. Il a 68, là il a 72. Après réflexe 80, 84, là 88. Vitesse
47 et là 54. Et en position, il a 90 et là il a 92. Donc sérieusement, c'est pas dégueulasse. Donc je l'ai vu, je le fais direct. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a qu'un défi à faire. Donc je soumets. Hop. Lâche-nous le petit bouffon, mon pote. Yes, j'aime bien les petits défis comme ça, sérieusement. C'est bien. Il n'y a pas à faire 40 000 équipes. Bon, il m'a coûté du crédit l'équipe, mais. Mais ça va. Sérieusement, ça va. Bien sûr, hein, on l'envoie au club. Hein, on va pas le détruire. Hop. Envoyé au club. Allez, mon gars, va au club. Voilà. Et les gars, sur ce, c'était le défi pour avoir John Luigi Buffon. Faites-le, il reste plus que 2 jours à faire. Là, c'est le premier jour. Il reste plus que 2 jours. Partagez un max, les gars, pour que. Voilà, pour faire montrer l'équipe. Donc, et si vous kiffez, hein, vous savez quoi faire. Hein, on va pas vous le dire à chaque fois. Donc, les gars, sur ce, portez-vous bien. On se dit à plus!